Les babes, on se retrouve pour un daily vlog au programme visite, musée, des galères comme pas possible. Bref, c'est reparti pour un nouveau vlog. Déjeuner en bombe! Regardez comment ça a l'air trop bon. Oh là là, elle va me remercier pour quelque chose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va pas être un weekly vlog, mais ça va être plutôt un daily vlog. Donc je vous l'ai dit sur Instagram, si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à aller, je le mets juste ici. Je vous ai dit qu'en fait j'allais pas faire un weekly vlog parce que j'ai pas pu filmer cette semaine, genre j'avais vraiment trop de trucs à faire. Donc à la place j'ai décidé de filmer un daily vlog, donc toute ma journée de ce vendredi, puisque normalement je vais sortir. Et du coup le weekly vlog reprendra à partir de dimanche, donc en fait vous allez voir juste ma journée de aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais faire toute la journée. Sinon aussi il faut qu'on trouve un nom de team, parce que j'en ai marre de dire hello la team, ou genre je trouve pas de nom pour vous et vous êtes trop important pour moi genre maintenant, donc faut que si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bref, là je viens de me réveiller et aussi un bon plan les gars, ça c'est des lunettes genre anti-bleu, c'est vraiment la frappe, je vais vous mettre où je les ai achetées, c'est trop cool, surtout que je passe quasiment plus de 5h à 6h sur mon ordi devant les écrans et c'est trop cool. Bref, assez parlé. Écoutez, il neige toute la journée et j'ai prévu de sortir. Attendez, je vous montre. Je suis en train de... Regardez, il neige. Mais le problème, c'est que j'ai prévu de sortir, mais il neige toute la journée. Donc là, je vais aller me doucher. Et écoutez, après, on va voir. Hein. J'ai prévu d'aller dans deux endroits, en fait, qui sont trop cool à New York. Mais vu la neige et j'ai un rendez-vous là, faut que j'aille me doucher, j'ai un rendez-vous avec mon maître de stage. Donc du coup je vais faire ça puis après je vais voir comment je vais... Et moi je programme toujours des trucs, je vous dis toujours des trucs et au final je regarde jamais. Donc là je vais aller me doucher puis on verra hein, si y a moyen que je sorte et tout. Enfin de toute façon ce que je veux faire c'est à l'intérieur. Donc normalement ça devrait le faire. Allez, on va à la douche. Et il y a mes courses qui vont arriver. Donc je suis trop contente, on va les ouvrir ensemble. Et voilà, bref je suis trop contente, je les ai commandées... Je les ai commandées avant-hier et du coup elles sont arrivées aujourd'hui, donc je suis trop contente. Sinon je me suis réveillée il n'y a pas longtemps et ouais c'est à peu près tout. Écoutez, ça va très bien, je suis un peu stressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais sinon ça va, j'ai trop hâte. Je crois qu'elles sont là, on va voir. Contente. Bon. Je sais pas si je vais réussir à soulever tout ça toute seule. Oh, ça m'a raté. Bon, attendez, je vous dépose parce que je vais jamais pouvoir tout faire en même temps. Je suis trop contente, regardez. Ah oui, regardez pas mes petites chaussons. C'est mes collègues qui me les a offertes. Bref, donc du coup j'ai tout ça, je suis trop contente, j'ai déballé, après je vais me doucher, après je vous reprends. Update, du coup je suis prête, ça y est, le problème c'est que j'ai un rendez-vous, du coup comme je vous l'ai dit, mais il m'a mis, enfin le maître de stage me l'a dit dans une heure, donc du coup ça me bloque un petit peu, j'espère que ça va pas être trop long pour pouvoir sortir. Du coup, bah là je vais bosser un petit peu en attendant, enfin profiter de ce temps là pour bosser, me remettre un niveau, chiller un petit peu. Et du coup voilà, et après on va sortir. Je vais prendre mes tickets aussi pour le rendez-vous, donc je vais regarder si je peux les prendre. I saw some people say that I should speak in English, so I'm gonna try to speak in English and put the subtitle just here. Mais j'ai prévu de le faire de toute façon, de mettre les sous-titres en anglais tout ça, et de mettre beaucoup plus de vidéos avec des sous-titres, mais c'est beaucoup de boulot. Bah sur ce on se retrouve bah après hein, là je vais chiller, donc vraiment je vais rien faire, je suis prête, je me suis habillée super simplement, je vais travailler sur mon ordi. Et voilà. Update, j'ai eu mon appel. Du coup là en fait j'ai des petits trucs à faire, mais mon coloc normalement il vient avec moi. Donc j'ai réservé le musée pour voilà, what time, pour 17h. Donc je suis trop contente. Et du coup bah là je suis en train de bosser un petit peu. Genre j'ai des trucs à faire. Et il est actuellement... Wait, what time is it? Il est actuellement 14h. Donc ouais, je pense que je vais partir vers 15h, 15h05 et voilà. C'est parti. Oui, elle est venue avec moi. J'ai décidé de se prendre un petit Starbucks avant.
On s'arrête. Elle est trop mimi. Oui. On va à la table. Ouais. Let's go. Did you have a seminal station at the moment? Yeah. Is it? No. Oh. Ah, c'est parti, on y va. J'ai trop hâte. Je vais d'aller voir où je vais vous emmener. Ça va être trop bien. I'm following you today. Arrivé. Parti. Regardez, c'est trop stylé. You don't have any taste of music, come on. C'est trop 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 bien. Regardez. Venez à ce musée, il est trop 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 bien. Donc je suis venue avec mon coloc et c'est de la frappe. Bref, on continue la visite. Cool, donc en gros là en fait il y a des salles. Et donc là on va rentrer dans une nouvelle salle et vous allez voir mon expression. Ouh. Hi. Donc là en gros on va faire une petite photo. Je vais vous montrer en fait comment vous faites. Vous mettez la carte. Et en gros, tu te couches et je sais pas si vous voyez, en haut il y a une caméra. Et c'est parti, ça va me prendre une photo. 3, 2, 1. Voilà. Je pense qu'on a atteint la meilleure salle. C'est trop le feu. Non mais vraiment, regardez les gars. Oh, un truc de fou. C'est trop bien. Trop bien, regardez. Oh my god, vraiment, c'est un truc de ouf. Maintenant on change d'endroit, je vais vous montrer où on va y aller. Ça va être trop trop cool. J'ai aucune dégaine avec mes chaussures, c'est pas très grave. Et vous allez voir, ça va être trop beau. Bon allez, c'est parti les gars. Putain, chaque fois ça me fait ça, j'arrive jamais à le faire. Let's go. Ça a l'air trop cool les gars, genre vraiment trop trop cool. Hein. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent déjà comment j'ai peur du vide. Je suis obligée de vous faire un petit rappel du téléphérique de Grèce et après ça, je vous laisse avec la suite. Comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai une tête comme ça. Waouh.
Bref, je pense que vous avez compris, j'ai peur du vide, des téléphériques, c'est pas pour moi cette chose. On repart, on a fait juste l'aller-retour les gars, juste pour voir la vue. Donc on retourne, est-ce qu'on est des gros, des personnes qui dépensent pour rien? Non mais en vrai c'est 3$ et c'est trop peu. You wanna sit in the same spot? Bon bah du coup on a fait le retour. Je vous ai pas montré ma tête mais c'est hilarant. Genre vraiment hilarant. J'aime trop on voit chez les gens. Est-ce que je suis une psychopathe? Are you okay? I'm J'ai vraiment une tête de fatiguée, c'est chaud. Du coup bah je voulais... Attendez je vous zoome un peu. Du coup, je voulais... Non, c'est bizarre. Du coup, bah, je voulais vous parler un petit peu du... Enfin, vous faire un petit récap et tout par rapport à ma journée. Et bah, franchement, c'était... Non, je vous disais, bah, c'était vraiment une super journée. Donc, je sais que c'était juste un daily vlog. Mais j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de filmer cette semaine. C'était assez chargé. En gros, pour ceux qui l'ont pas compris ou comprise et qui sont là depuis pas longtemps, en fait, je suis à New York en échange et j'ai un stage, en fait, aussi en même temps, du coup, que j'ai arrêté. Donc, il y a eu un retournement de situation. Et du coup, j'ai pas pu faire de daily vlog parce que c'était trop compliqué. Entre le stage, les cours, ma vie perso, tout ça, c'était beaucoup trop. Et c'est pour ça que j'ai pas pu filmer un weekly vlog la semaine dernière. Donc, weekly vlog, c'est genre en fait une semaine de ma vie, quoi. Donc, voilà pourquoi ça a été un peu compliqué. Du coup, on est allé en gros avec mon coloc dans un musée qui s'appelle le Museum of... Non, c'est Factories... of Colors ou un truc comme ça, Museum of Factories of Colors ou je sais plus, un truc comme ça, et c'était vraiment de la bombe. Si vous êtes à New York, franchement je vous le recommande. Alors c'est vraiment un 10 sur 10. C'est un peu cher mais le prix, enfin ça vaut le prix, c'est 43$ je crois. Et en gros il y a plusieurs activités, donc vous pouvez manger des choses, vous pouvez ensuite en fait toucher, c'est très sensoriel, il y a vraiment, en fait il y a 20 salles. J'ai pas voulu trop filmer aussi pour que vous puissiez quand même, si vous le faites, avoir un petit, bah, des surprises aussi et tout. Et c'était vraiment super intéressant. Et après ça on a fait du coup un tramway que je ne connaissais pas du tout, et en gros c'est le même prix en fait qu'un ticket de métro, enfin c'est ouf, je trouve ça dingue. Vu la vue et tout, tu t'attends quand même à payer genre 20$ et tout, parce que généralement ce genre de truc dans certaines villes ça coûte cher. Donc voilà pour mon daily vlog, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Bon, on se retrouve très vite pour un weekly vlog qui va être super intéressant la semaine prochaine. Si vous me suivez pas encore, bah du coup n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici si vous êtes nouveau. On est bientôt aux 1000 abonnés. Et du coup j'ai prévu une petite surprise quand on sera 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à partager mon compte, tout ça. J'ai prévu de faire un petit concours, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup plus en parler, tout ça. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.